Je vais juste représenter parce qu'on a des nouvelles personnes en ligne. Donc, je suis ici avec Hélène Bissard. Bienvenue. Merci. Puis Hélène est artiste peintre. On va commencer par ta présentation de toi. Avec plaisir. Comment ça a commencé un peu ton parcours artistique? Comment cette passion-là pour la peinture a commencé? Si t'es capable d'en dire quelques mots. Merci de la question. C'est vraiment fun. On va juste faire un petit parcours, là. Ben disons que j'ai toujours été dans le domaine des arts, okay. Un peu indirectement. Donc étant plus jeune, j'ai fait des études dans l'art appliqué. Ok. Donc aménagement d'intérieur, décoration, photographie. Okay. Puis avec le temps, ben des fois la vie prend des parcours différents. Donc on est sur le marché du travail, on laisse ça un petit peu de côté. Puis à un moment donné, le retour de la nature refait force. Alors, lorsque j'étais enceinte de ma fille, je me suis pris du temps pour moi. Ok. Et j'ai décidé de reprendre les crayons et tout ça. Puis, le goût de peindre est venu d'un projet que je vais faire sur un pupitre. Ok. En bois. Ah. Alors, j'ai dit, bon, ben, je connais les crayons, tout ça, mais la peinture acrylique, plus ou moins. Donc, j'allais prendre un cours de peinture acrylique. Coup de cœur, ça a été un vrai coup de cœur. Mon conjoint connaissait pas mon talent artistique. Oui. Okay. Et c'est à partir de là que cet envoyé-là ça a juste grandi. Ça a grandi. Mon conjoint, qui est mon fan numéro un, m'a toujours poussé à faire d'autres projets. Sur un bidon de lait, sur une pièce de bois, etc. Oui. Puis un jour, ben là, j'ai mis ça sur Facebook. Facebook qui est vraiment formidable pour lancer les gens puis découvrir. Oui. Donc, il y a une dame de Saint-Amand-de-Portneuf qui m'invite à aller faire un symposium. OK. Fait que je dis, ben là, un symposium avec des planches de bois, du bois, c'est pas vraiment un symposium. Elle dit, oui, c'est le festival de la grosse bûche. Ah! OK! Alors, c'est là que ça a commencé. J'arrive avec des planches de bois. Ça, il n'y arrive rien pour ouais, non, c'est ça, exact. Alors, coup de cœur, coup de foudre, c'est là que ça a commencé. Cool. Par la suite, je me suis mise sur toile. Oui, et pourquoi, c'est une question complètement curieuse, ouais, mais pourquoi t'as dérivé vers la toile, en fait, parce que tu fais encore du bois, mais quand même moins, là, t'es plus... Ben, je l'aime ta question, parce que j'ai une belle anecdote. Ok. C'est avec le professeur de la grosse bûche, c'est Diane, mon amie. Elle m'appelle quelques semaines plus tard. Elle dit, Hélène, il y a un artiste qui vient à Saint-Augustin-des-Morts faire un atelier. Un artiste que j'adore, Daniel Vincent. OK. Alors, je dis, ben oui, l'homme aux cerises, c'est sûr que je vais faire un atelier avec lui. Alors, j'ai sorti de ma zone de confort qui était le bois. Oui. Et j'ai compris que j'avais peut-être pas le bon médium pour travailler sur toile. OK. Alors, Daniel m'a fait sortir de ma zone de confort totalement, un gros coup de cœur. Okay. Je suis sortie de là, j'étais allée m'acheter des grands tubes de PBO. Peut-être 25 ans. Oui. Et j'étais retournée chez nous, puis là, je me suis mis à faire mes propres devoirs pour me découvrir comme artiste, découvrir mon style. Et on ne se cachera pas, hein, ça prend du temps pour savoir qui on est et qu'est-ce qui nous représente, c'est quoi notre coup de pinceau. Ouais. Alors, ça a été vraiment mon début, symposium. Par symposium, il y a des amis qui m'ont vraiment bien guidée, poussée dans ça. Donc, c'est fou! Et plus tard, un petit peu, ben, c'est l'enseignement qui m'a donné vraiment un effet... gratifiant puis d'échange. C'est là que j'ai trouvé mon plaisir était encore plus augmenté. C'est quand je partageais mon coup de pinceau avec d'autres, le plaisir de rencontrer des gens, le plaisir de voyager à travers le Québec et même ailleurs, parce que maintenant je vois quelque part en Europe. Fait que c'est un peu mon parcours. Et là, on a un peu parlé aussi de ton style, tu sais, un peu comment tu définis, t'es beaucoup acrylique, toi, et puis d'autres choses qui définissent... Pas vraiment, moi, mais ça se limite à pinceau au tableau. Ok, mais quels sont les sujets aussi? Moi, je vois que t'es beaucoup fleurs, beaucoup animaux. Oui, fleurs, papillons, animaux, c'est ce qui me parle beaucoup. Je dis pas que je ferais pas autre chose, moi, je vais vraiment avec le feeling. Ok.
je suis vraiment une fille d'émotion. Ouais. Alors, quand ça m'interpelle, quand ça me plaît, quand le visuel m'inspire, c'est vraiment mes trois sujets, là, que... Ouais, que tu joues là-dedans. Oui, puis chacun m'amène souvent à découvrir une autre évolution. OK. En travaillant un autre sujet, mettons, si je fais toujours de l'animalier, mais si je transfère vers le floral, on dirait que là, d'autres techniques vont s'ajouter. Fait que ça me permet vraiment d'évoluer aussi comme artiste, puis j'en ai besoin de ma personnalité. J'ai besoin de continuer à grandir dans ça, puis de me découvrir. Ah, c'est bon. Puis ça vient d'où un peu tes inspirations? Tu te promènes dehors, tu vois quelque chose, ou comment Puis même, je te dirais, les moments, les tendances, un sujet, des fois, m'amène à un autre. Parce que quand si je fais une technique de un, des fois, je fais comme, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça aussi là-dedans, dans cette technique-là. Alors, des fois, c'est l'évolution de un à l'autre. Puis on sait jamais comment ça arrive, hein. Des fois, il y a des Ah, c'est bon, super! Puis, si les gens veulent te suivre, en fait, suivre ton travail, où est-ce qu'ils peuvent aller? T'as un site web? C'est sur quel réseau social? Moi, j'appelle mon bureau. Ton bureau? C'est Facebook. Ma page vraiment Facebook, Hélène Bisson, artiste peintre. C'est vraiment là que je dévoile ça, mes activités, ateliers, séminaires à l'extérieur, symposium, tout ça. Ça, c'est vraiment mon bureau. Donc, je suis quand même assez réactive. Oui, t'es assez présente. Oui, c'est comme un bureau. Fait que il y a des heures. OK, c'est vraiment là, planifié. OK, ah, c'est bon! Fait que, on peut peut-être plus parler de tes deux séminaires, justement. En quoi ça consiste, un peu les techniques. Ben, je suis cohérente dans ce que je dis. Hein. Les deux me passionnent. Oui, j'aime ça apporter différentes techniques. Donc, le premier est le koala. Le koala, c'est des techniques vraiment un peu différentes de ce que je fais des fois sur d'autres projets d'animaux. Parce que ça ne veut pas dire que si comme celui-ci, c'est ton brossage à sec, ils vont tous être au brossage à sec. Des fois, je travaille des techniques différentes. Celui-là, je le trouve vraiment particulier parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup l'effet de dimension dans le poil. Dans le poil, mais c'est pas le plumage. Mais... Alors, c'est l'effet vraiment du négatif au positif. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. On avait même des photos que je vais arrêter. Vous avez peut-être un visuel là, sur la façon de travailler. Et d'une part, j'aime ça dire aussi aux gens qui souvent vont dire, moi, je peins, je dessine pas, mais je peins, mais le dessin, j'ai plus de difficultés où ça m'insécurise. Alors, faut savoir que lors d'un atelier, dans mon cas, j'offre toujours le croquis. Donc, je dis tout le temps, moi, c'est pas un cours de dessin que je donne, c'est un cours de peinture. Je vous dévoile mes techniques, ma façon d'appliquer mon coup de pinceau. Et je me garde une petite réserve. Le coup de pinceau, je ne touche pas à ça. Le coup de pinceau de la participante, parce que je trouve que c'est ça votre signature. Donc, c'est pour ça que même si on est 10 personnes à faire le même projet, ils ont tous un petit caractère différent parce que le coup de pinceau est vraiment unique à chaque personne. Alors, comme dans ce cas-ci, là, c'est vraiment avec un petit brossage à sec, on vient vraiment faire toutes des petites appuis comme ça avec différentes teintes. Donc, la première teinte, elle est vraiment à part. Voyez-vous, c'est à peu près cette teinte-là qu'on a dans la première étape, qu'on fait tout le koala dans cette formule-là. Deuxième étape, c'est qu'on vient vraiment superposer, mais une autre teinte qui commence à parler de lumière. Voilà. Juste montrer. Oui. Attends, je t'en vois. Donc, voyez-vous déjà là, ici, on voit vraiment qu'il commence à avoir déjà des proportions, des dimensions qui viennent s'installer. Tout ça qui fait que l'effet que de l'air, tout l'a floppé, qu'on sent que l'animal a des dimensions, tu sais, le front, on voit qu'il est plus lumineux que sur le côté qui est plus dans l'ombre. Donc, c'est vraiment en superposant. Superposant nos couches de couleurs qui sont légèrement plus claires, fait qu'on parle du négatif. Moi, quand je parle avec le noir, mon fond est tout noir. Moi, je dis tout le temps, on parle du négatif au positif. Donc, le noir, c'est mon ombre. Et il est déjà là, il est juste à mettre la lumière. Fait que ça, c'est vraiment une autre pensée. Oui. Comme ça, on pense pas comme ça d'habitude. Donc, je trouve que ça, puis ça, c'est facile.
du sens, si vous n'avez pas votre coup de pinceau, vous dites, ah, non, là, j'ai fait une tache, tout ça va. Je mets du noir. Le noir va venir tout camoufler, mais on peut tout de suite recommencer à peindre. C'est de l'acrylique, ça sèche instantanément. Ouais. Fait que ça, j'aime beaucoup, beaucoup travailler aussi, là, dans cette façon de faire-là avec les petits pinceaux à brossage. Ah, super! Puis ton deuxième, le papillon. Oui. Lui aussi, on part avec un fond noir. En dehors de la caméra. Attends. Je vais me rapprocher. Je vais passer. Ah oui. Alors lui, le 17 novembre, je vais dire. Ben oui, c'est ça. Le quoi là, c'est le 16 novembre. C'est des ateliers de toute la journée. C'est de 9h à 16h. Si je me trompe pas, on a 5 heures, hein? 9 à 5. Puis, Hélène a fourni toute la peinture à guider pendant l'atelier. Vous avez une petite préparation à faire? Couche de fond noir. C'est ça. Transfert de croquis. On est prêt. Parfait. Fait que le koala, c'est le 16 novembre. Et c'est un samedi. Et le papillon, c'est dimanche le 17 novembre. Toujours les mêmes heures, de 9h à 5h. Merci. Alors, lui aussi, on part avec le fond tout noir et on vient vraiment travailler un peu en flip-flop en premier lieu avec un gros pinceau large. Je viens vraiment faire des entrecroisés. Là, vous dites, mon Dieu, Hélène, tu as des ronds, je peux pas croire qu'avant c'était des entrecroisés. Mais c'est juste pour venir donner des profondeurs, on veut de l'inégalité. C'est ce qui donne l'effet un peu focus photo quand on a ces points centrales-là de lumière. Mais je peux pas juste arriver et faire des points de lumière. Il faut qu'en arrière-plan, je lui donne une histoire pour donner tout l'effet de dimension et de proportion. Donc, ça vient donner des premiers plans, deuxième plan, troisième plan, etc. Même s'il y a un petit arrière-fond, il n'y a pas de sujet, ça nous donne la dimension. C'est vraiment ça qui donne tous les effets. Alors, on travaille un petit peu en fait plop. Ensuite de ça, on travaille avec un beau pinceau à brossage à sel. Pour ceux qui me connaissent, ça, que c'est, font partie de mes favoris, hein, c'est des pinceaux que j'adore travailler avec. Mon pinceau, une fois que vous avez fait un ou deux ateliers avec moi, là, vous allez voir mes pinceaux se répètent. Donc, vous avez votre petit boîte, quasiment étiquette Hélène Bisson, fait que vous avez quasiment toujours vos pinceaux disponibles. Donc, par la suite, c'est ça, on vient faire un petit peu de brossage pour donner vraiment la dimension. Puis, je finalise avec un petit secret vite fait, bien fait. Ouais. La fameuse petite éponge. Alors, c'est simple, on n'a pas besoin d'avoir des grandes techniques, mais encore là, une fois, on y va vraiment avec des couleurs différentes, ce qui renforce toujours l'effet de profondeur et de dimension. Et puis, la même chose, brossage à sec pour les fleurs, mais sur le papillon, je vais chercher une autre petite technique qui est le fun de travailler, c'est en la vie. Donc, la vie qui est une peinture mélangée avec de l'eau, fait que ça fait pas trop plaqué, opaque, donc c'est tout en douceur, en transparence, en transparence exactement. Ouais, super. Donc, on n'a pas montré une petite photo. Oups! Ça vous donne une... Je parlais trop vite, hein? Oh, c'est pas grave! ça vous donne un peu l'idée... Est-ce qu'Hélène parlait de l'évolution? Oui, vous voyez, avec mon pinceau à brossage, je viens remettre un petit peu d'ombre. Et ici, pour le papillon, un petit peu plus en la vie. Vous voyez que c'est pas très dynamique comme couleur. C'est tout en subtilité, tout en douceur. Super intéressant. Puis, en fait, à qui ça s'adresse ces cours-là? C'est à n'importe qui? À tous ceux qui ont envie de vivre une expérience. OK. Parce que je prends autant les débutants que expérimentés. Oui, je dis tout le temps aux gens, vivre un atelier, c'est une expérience. Autant débutants que plus avancés, à chaque fois on découvre quelque chose, on assimile une technique différente. Et comme je disais, en ayant déjà le croquis de fait, ça enlève un gros stress, on part tout le matin avec le même point de départ. Ouais. Fait que t'sais, on se suit pas à pas. Moi, j'aime travailler avec des photos. Donc, chaque atelier, quand je les monte, je me prends des photos des étapes. Alors, je fais toujours une démo, donc je refais toujours un tableau. Okay. Donc, pour montrer l'étape, mais vous avez aussi une référence visuelle sur un écran montrant les étapes. Donc, c'est plus sécurisant pour quelqu'un que... Oh, j'ai pas tout à fait compris ou saisi. Alors, visuellement, déjà, là, on a une référence. Mais tout le temps, malgré les références, vous avez quand même
votre coup de pinceau, votre petite différence qui s'installe. Ouais. Puis moi, je m'amuse à découvrir ça, d'avoir évolué ça. Ah, c'est bon. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais peint peut s'inscrire, il n'y a pas de problème. Exact. Oh oui, puis je les aime. J'appelle ça mes gens qui sont verts. Ah oh, oui! Ah, je les aime. Ben, ils n'ont pas de technique. Comme ouais, mais on va être préconçus, probablement. Non. Fait que c'est... Fait que, quand on leur montre un pinceau, on leur montre comment le charger, comment l'appliquer, ben, ils font tout de suite. Ouais. Ils n'ont pas leur technique à eux. Oui. Ah, ben, moi, je travaillerais dessus avec ce pinceau-là. Mais non, mais lui, c'est lui. Ouais, c'est fait ça. Je trouve que ça. Ça coule quasiment mieux. Ben, c'est agréable de voir, puis de voir surtout la fin de l'atelier. Ça, c'est mon moment, là. Okay. Quand je vois tous les projets terminés. Et de voir le regard de chacun, la fierté qu'ils ont réussi à faire dans une journée, parce que moi, la fin de la journée, elle est prête à cocher, c'est fini, là. OK. Il n'y a pas de retour. En tout cas, c'est les gens le veulent, mais moi, je vais en idée, une journée, une toile, ben, à la fin... Est fini. Et tu la coches. Exactement. Je suis un petit peu perfectionniste là-dessus, mais je me dis, ben, c'est ma fierté de voir les gens fiers de leur travail. Oui, c'est ça. Ils sont impressionnés d'eux-mêmes aussi d'avoir réussi. Oui. Ouais, une journée, un tableau. Puis des fois, le conjoint, il est plus que les autres. Ah oui! C'est bon. Super. J'ai pas ça, j'avais d'autres questions. Ça fait pas mal le tour. Mais, dans le fond, on va juste répéter les dates. Je vais juste te remettre. Oups! En même tes deux toits, on avait passé. Les deux. On les voit les deux. Oui! Super. Fait que c'est vraiment, si ça vous intéresse, le koala avec Hélène, le 16 novembre de 9h à 17h et le papillon le dimanche 17 novembre de 9h à 17h. Fait qu'on espère vous voir, oui! Inscrivez-vous, ça va être un bon moment. Oh, ben, c'est toujours un beau moment ici, mais de toute façon, avec votre pièce là, c'est extraordinaire. C'est toujours un plaisir de venir. C'est toute une belle maison, une belle famille. Hein. Merci encore pour cette belle invitation. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci d'avoir été là. Avez-vous des questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants? Oui, c'est à peu près 10 personnes, ton maximum. Ouais, je me garde ce privilège-là à moi. Parce que j'aime avoir le temps d'expliquer les techniques à chacune. Moi, c'est pas la quantité que je vis, c'est la qualité entre individus. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là.